Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'acupression. Je suis ravie de vous retrouver et vous êtes de plus en plus nombreux à visiter cette chaîne et j'en suis vraiment ravie. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez liker cette vidéo et vous pouvez bien sûr la partager au plus grand nombre. Alors, je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise. Je suis aussi coach bien-être, j'anime des cours de Qigong et de méditation pleine conscience et je suis auteure de 3 livres aux éditions Marie-Claire hein, sur la médecine chinoise, sur le Qigong et sur le mal de dos. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous le stress, la gestion du stress avec les points d'acupression qui sont des points de massage sur les méridiens chinois. Alors, le stress se définit comme l'ensemble des processus physiologiques qui sont mis en jeu lorsque le corps est soumis à des pressions, à des contraintes de son environnement. Et le stress va se traduire par de l'agitation, par de l'hyperémotivité, par de l'hypersensibilité et aussi de la fébrilité. Alors, ces points d'acupression que je vais vous montrer, que l'on va pratiquer ensemble, va permettre une rééquilibration énergétique pour devenir plus serein, pour être moins vulnérable à tout notre environnement, au stress extérieur. Et ces points vont aussi vous permettre de faire face à une situation au moment T pour avoir moins d'appréhension. Alors, on va commencer par le premier point qui va se situer au milieu de votre avant-bras, sur la partie antérieure de votre avant-bras, sur le poignet. Vous allez prendre 3 travers de doigts et vous allez vous placer ici. Donc, normalement, on a 2 tendons et vous allez pouvoir masser ce point sur le méridien maître du cœur. C'est le point 6 maître du cœur. Vous allez pouvoir masser par des petits cercles. Alors, je vous explique dans une autre vidéo le protocole et le mode d'emploi pour le massage, pour la pratique de ces points de massage. Donc, vous pouvez masser pendant 30 secondes à 1 minute, aussi bien sur le côté gauche pour le méridien gauche que sur le méridien droit, donc au milieu de votre avant-bras, juste 3 travers de doigts sous votre poignet. Et ce point 6 mètres du cœur est souvent couplé avec le point qui est sur le dessus de votre poignet, mais sur la face postérieure, cette fois-ci de votre avant-bras, toujours à 3 travers de doigts. Et là, on va être sur le méridien triple réchauffeur et le point numéro 5. Et ces 2 points qu'on va pouvoir masser comme ça aussi, appuyer dessus à la pression quand vous inspirez, vous relâchez quand vous soufflez. Ces 2 points vont régulariser le système nerveux. Donc, soit vous allez pouvoir mettre le pouce, 6 mètres du cœur et l'index sur le triple réchauffeur ou alors le contraire, le pouce sur le triple réchauffeur et votre index sur le maître du cœur. Ces 2 points sont vraiment très importants pour mieux gérer son stress. On va trouver un point aussi qui est un point essentiel qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, qui est le point 4 gros intestins qui est situé entre votre pouce et entre votre index. Et là, de la même façon, on va pouvoir aller masser ce point vraiment contre votre index avec des mouvements circulaires. C'est un point qui est réputé pour calmer l'esprit. Et là, de la même façon, vous pouvez aller le masser des 2 côtés. Donc, vraiment ce point entre pouce et index, le point 4 gros intestin. On va avoir un point qu'on retrouve souvent aussi pour traiter le stress et qui va vous permettre d'avoir plus de sérénité, de calme. C'est le grand point de la sérénité. C'est le point qui va être situé au milieu de votre poitrine. C'est le point sur le vaisseau conception, 17 vaisseaux conception, qu'on va aller masser aussi de façon circulaire. On va avoir un point aussi situé au niveau du troisième œil entre vos 2 sourcils, très important aussi pour aller calmer
l'esprit, calmer le mental, qu'on appelle le shen en médecine chinoise. Et enfin, un point qu'on va trouver sur le sommet du crâne, il va y avoir une petite dépression sur le vaisseau gouverneur, c'est le point Pairoé, très important sur le sommet du crâne, qui va calmer l'esprit, calmer le mental, comme si vous aviez un serre-tête. Et là, de la même façon, on va pouvoir aller masser ce point tranquillement pour apaiser, pour calmer, pour être beaucoup plus serein. Donc, ces différents points vont vous permettre de régulariser votre rythme cardiaque, mais aussi votre rythme respiratoire et aussi de détendre votre digestif. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces points d'acupression, vous pourrez les pratiquer pour être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne pratique, une bonne santé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et à partager. Vous pouvez me laisser aussi des commentaires. Avec grand plaisir, je vous réponds. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.